Votre nouvelle Tango TV Box est entre vos mains. Votre boîte contient votre Tango TV Box, une télécommande avec deux piles AAA, un câble d'alimentation, un câble réseau Ethernet, un câble HDMI. C'est parti pour l'installation. Nous vous conseillons de brancher votre décodeur par câble Ethernet. Assurez-vous que votre Fritzbox est connecté à votre Internet Tango. Connectez le câble Ethernet. D'un côté, à votre TV Box. De l'autre, à l'un des ports de votre Fritzbox, sauf le port LAN 1. Connectez le câble HDMI à votre TV Box et à une entrée HDMI de votre téléviseur. Branchez maintenant le câble d'alimentation à l'arrière de votre TV Box, puis à une prise électrique à proximité. Notre TV Box étant allumé par défaut, le voyant lumineux rouge à l'avant s'allume. S'il ne l'est pas, démarrez en appuyant sur le bouton ON-OFF à l'arrière. Allumez maintenant votre téléviseur. L'écran de bienvenue Tango TV apparaît. S'il n'apparaît pas, sélectionnez la bonne source HDMI de votre téléviseur. Votre TV Box recherchera peut-être une mise à jour. Laissez-la faire tranquillement, sans la débrancher. Voilà, l'installation est terminée. Passons maintenant à la configuration. Prenez la télécommande et insérez les piles AAA fournies. Sélectionnez la langue à l'aide de votre télécommande et suivez les différentes étapes te proposées, comme connecter votre télécommande par Bluetooth. Vous aurez ensuite la possibilité de lier votre TV Box à votre compte Google. Cette étape est optionnelle, mais vous permet de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités, et notamment les apps disponibles dans le Google Play Store. Si vous passez cette étape, vous pourrez y revenir ultérieurement dans le menu Paramètres. Votre TV Box recherchera peut-être une mise à jour. Laissez-la faire. Toute une série d'options, comme l'éco-mode et le contrôle parental, vous sont ensuite proposées. À vous de choisir. Et voilà, votre nouvelle Tango TV Box est configurée. D'autres questions? Consultez nos autres vidéos ou rendez-vous sur notre forum.